Le Schéma Israël, c'est une chanson que nous avons fredonnée pendant de longues années dans les mouvements de jeunesse. Et c'est même un air, tel que je viens de le chanter, qui a été repris même dans certaines églises, dans nos frères et sœurs chrétiens qui chantent également sur cet air de Schéma Israël. Voilà, et bien vous comprenez que je vais vous parler du Schéma Israël, parce qu'on m'a posé la question. Monsieur le rabbin, voilà, j'ai pas toujours le temps de faire la prière, je suis pressé, la vie économique, le travail, etc. Je dis, bon, si vous n'avez pas le temps, au moins vous pouvez faire une prière. Une prière le matin en vous levant, une prière le soir en vous couchant, selon ce qui est dit justement dans la Bible, en te levant, en te couchant, ou en te couchant, en te levant. Et c'est le schéma Israël, ce schéma Israël dont je voudrais vous parler. Ce schéma Israël se trouve dans le livre de Deutéronome, c'est-à-dire le cinquième livre de la Torah, celui qui est attribué à Moïse. Justement, c'est le discours de Moïse, selon la tradition. Ben, pendant 7 jours, Moïse a pris la parole, s'est adressé à la nouvelle génération qui allait entrer en terre promise, et il leur a enseigné, entre autres, ben, le principe du monothéisme, qui va devenir notre article de foi, la proclamation de l'unité de Dieu. Alors dans le texte de la Torah, il y a 6 mots, c'est au chapitre 6 du livre de Deutéronome, où il y a Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, 6 mots, qu'on traduit Écoute Israël, Hachem, le nom, le tétragramme, Eloheinu est notre Dieu, Hachem, le tétragramme, et tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres, hein, le Yud, le He, le Vav et le He, ou bien YHWH, Ehad et 1. Et à la synagogue, à la maison d'ailleurs, on rajoute un verset supplémentaire qui est généralement resté à voix basse, sauf le jour du Kippour, on dit qu'on le dit à voix haute, c'est Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Béni le nom de la gloire de son règne pour toujours. Et il y a également 6 mots. Au total, ça fait 12 mots, comme les 12 tribus d'Israël. Et ce deuxième verset est récité à voix basse, tout simplement parce que ce n'est pas un verset de la Torah, c'est un verset que les rabbins ont ajouté pour distinguer le verset de la Torah du verset d'institution rabbinique. Nous le disons à voix basse. Bon, il y a d'autres raisons que nous verrons peut-être une autre fois, mais bon, le sens le plus simple, c'est pour distinguer le verset de la Torah du verset des rabbins. Alors, ces 6 mots... voilà, constituerait finalement notre prière la plus simple, hein. Et je voudrais vous en donner le sens, parce qu'on récite, en tout cas quand on vient à la synagogue, on récite le schéma Israël, l'office du vendredi soir, l'office du Shabbat matin. Et que disent ces mots? Ben, premier mot, c'est schéma, écoute. Donc Moïse s'adresse au peuple d'Israël, il dit écoute. Alors qu'est-ce que ça veut dire écoute, schéma? Ben, ça a plusieurs significations. Ça peut signifier bien sûr entendre avec les oreilles. Alors, la tradition dit « fais entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche ». Mais ça veut dire aussi « comprends ». Comme nous disons en français « j'entends ce que vous dites » dans le sens « je comprends ce que vous dites ». C'est à la fois l'intellect, ça peut être aussi l'affect, l'affectif, intériorisé, ça peut être médité. En fait, le terme de « schéma » a plusieurs significations. Ça veut dire intégrer en soi la leçon qui va être énoncée juste après. À qui s'adresse cette parole, cette demande d'écoute? Eh bien, Israël. Alors, qui est Israël? Israël, vous savez, c'est le patriarche Jacob qui devient Israël suite à une lutte un peu mystérieuse avec un ange, et cet ange qui essaye de tuer, de dominer Jacob, qui n'arrive pas, et il lui dit finalement « laisse-moi partir ». Jacob lui dit « je te laisserai partir si tu me bénis ». Bénir, c'est donner un nom.
Et il lui dit, bah, tu t'appelles Jacob, maintenant tu t'appelleras Israël, ça veut dire un prince de Dieu, un lutteur de Dieu. Et à partir de là, bah, nous avons les enfants d'Israël, les bénis Israël. Et donc chaque fois que nous disons les enfants d'Israël, hein, bah, nous nous référons finalement au patriarche Jacob, qui est devenu Israël, qui est le fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Et très souvent dans la Torah, on parle des bénis Israël. Et puis Moïse, là, va réduire bénis Israël à un seul mot, Israël, qui va devenir non seulement le nom de l'ancêtre, mais aussi le nom des enfants. Vous voyez, comme une identification entre les enfants et le père, et bien sûr, à travers lui, c'est aussi les patriarches et les matriarches qui sont mentionnés. Voilà le lien générationnel entre l'ancêtre et les enfants. Mais Israël, ce n'est pas seulement la génération du désert, hein, c'est nous aussi, enfin, nous, c'est-à-dire ceux qui sont de la communauté d'Israël, les descendants des Hébreux, même s'il y a des personnes non juives qui écoutent notre propos, nous les en remercions, hein, pour dire, ben, Israël, c'est l'Israël d'aujourd'hui, en fait, c'est l'Israël d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tout Israël, aussi bien individuellement que collectivement, hein, c'est ça l'idée, écoute Israël, ça veut dire collectivement, peuple d'Israël, mais individuellement, toi, membre d'Israël, tu t'appelles aussi Israël, eh bien, écoute, médite, intériorise ce que je vais te dire, les quatre mots qui vont suivre. Et c'est quoi ces quatre mots? Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Le tétragramme est notre Dieu, le tétragramme est un. Alors, ah oui, je dis Hachem, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on pourrait dire aussi Adonai, qui veut dire mon Seigneur, un pluriel de majesté, c'est-à-dire mes Seigneurs. On dit Hachem le nom. Voilà, quand on veut mentionner ce nom sans le prononcer hors de la prière ou de l'étude, alors je dis simplement Hachem le nom par excellence. L'expression dit Baruch Hachem, béni soit le nom. Alors, nous disons Hachem Eloheinu. Hachem est notre Dieu. Alors, on pourrait penser que notre Dieu, ça veut dire c'est notre Dieu à nous, le Dieu des Juifs. Voilà, comme on dirait le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui vous appartient. Or, en hébreu, eh bien, il n'y a pas de notion d'appartenance, surtout pas Dieu. Vous savez qu'en hébreu, on remplace l'avoir par la relation. Il n'y a pas le mot avoir, le verbe avoir n'existe pas. On ne dit pas j'ai. En français, on dit j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai une femme, j'ai mal à la tête, j'ai un rendez-vous, j'ai un examen, j'ai. Faites l'exercice, tiens. Supprimez le mot avoir de votre langage pendant quelques instants. C'est pas si évident que ça. Ben vous êtes obligé de transformer le possessif en relationnel. Dis pas j'ai une femme, je suis marié avec. Dis pas j'ai un rendez-vous avec le médecin, je dois me rendre chez le médecin. J'ai mal à la tête, non, ma tête me fait mal, etc., etc. C'est-à-dire donc que comme nous disons c'est notre Dieu, bien sûr ce n'est pas que nous nous accaparons le Dieu qui est le Dieu de l'univers, dont la terre est le marchepied, comme dit le prophète Isaïe, mais ça veut dire notre Dieu à nous, notre divinité, hein, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas les fleuves, ce n'est pas les lutins, ce n'est pas les divinités du monde polythéiste, c'est Adonai. Hein, voilà. C'est-à-dire nous reconnaissons finalement que celui dont le nom signifie de façon contractée Hayahovehiye, hein, dit la tradition, ça veut dire la contraction de il était, il est, il sera, donne le tétragramme, hein, eh bien, donc l'éternel, hein, eh bien, c'est notre Dieu. Voilà. Et c'est pas du tout dans le sens d'une appropriation, mais bien dans le sens d'une relation. Bien sûr, si vous connaissez un peu la Bible, vous avez lu le troisième chapitre de l'Exode où Dieu donne un autre nom à Moïse, qui est Eyé Asher Eyé, je serai qui je serai, ou je suis qui je suis, mais finalement, ce n'est pas ce nom que Moïse doit apporter aux enfants d'Israël, mais c'est bien le tétragramme. Comme si ce nom Eyé Asher Eyé devait être uniquement révélé à Moïse, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo sur Moïse dans la Bible et le Midrash. Et la deuxième partie, hein, donc Hachem Eloheinu, notre divinité, c'est Hachem, c'est le tétragramme, l'être éternel, qui nous donne l'être à nous, nous sommes des aides de réception par rapport à l'être de donation qui est l'éternel, Adonai Echad. Ben ce Hachem, il est un. Justement, pour dire qu'il est un, il n'y en a qu'un, et donc s'il y en a un, il est le créateur de l'univers tout entier, en particulier le créateur de tous les hommes. Donc tous les hommes
se reconnaissent de façon directe ou indirecte dans ce Dieu unique. Donc on est bien ici dans le monothéisme, même si les nations passent par telle ou telle voie religieuse, tel ou tel maître, tel intermédiaire, mais au fond c'est pour aller vers Dieu, hein. Et c'est ça la notion du monothéisme, c'est ça l'idéal, si vous voulez, du judaïsme et des prophétismes, c'est que l'humanité se reconnaisse comme frère en fraternité, eh bien, par la reconnaissance de Dieu, dont la capitale serait Jérusalem. Voilà. Un petit peu cette proclamation, cette prière très très importante et que l'on peut méditer, méditer, méditer. Et à la fin, en deuxième partie, nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est-à-dire que le nom de la gloire de son règne, eh bien, règne éternellement. Hein. Donc, en quelque sorte, dans le schéma Israël, nous proclamons le nom de Dieu, et dans la deuxième partie, nous proclamons la royauté de Dieu. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve notamment dans le Kaddish, hein. Que son nom soit sanctifié et que son règne règne, hein, c'est-à-dire le Shem et Malchut. Voilà. Et on retrouvera aussi dans la prière de Jésus, le Notre Père, hein, qui est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, c'est la même foi, hein, la foi du la reconnaissance du nom. Dieu a un nom et il nous invite à reconnaître le nom des uns et des autres, et aussi reconnaître la royauté, c'est tout pouvoir se ramène à Dieu, et c'est une manière de dire soyez humble et n'abusez pas du pouvoir dont vous disposez. Voilà, donc si vous avez à faire une prière minimaliste, ben, vous pouvez rester le schéma Israël en hébreu. Ben, même si l'hébreu vous ne possédez pas, ben, j'ai chanté une partie en français, comme ça vous pouvez même le dire en français. Voilà, à très bientôt pour un autre cours. Au revoir.